Nous sommes ici au milieu du plus grand foisonnement de vie que l'on puisse trouver à la surface de la Terre. Une vie qui se déploie dans la voûte de feuillage surplombant la forêt tropicale. Dans cet environnement, on découvre la plus grande diversité d'animaux et de plantes qui se puisse imaginer. Et cela grâce à deux sources essentielles. La chaleur et l'humidité. L'association de ces deux facteurs a créé la jungle, qui s'étend comme un anneau autour de la Terre. Une vaste zone verte, brisée à certains endroits. Cette jungle se situe en Amérique du Sud. Elle s'étend sur près de 1000 km au nord et au sud de l'équateur. Elle est encore largement inexplorée. L'arbre sur lequel je suis juché est un capoquier. Il ne grandit pas en groupe. C'est un arbre solitaire. Et il appartient à la plus haute variété que l'on trouve dans cette jungle. Il peut atteindre 60 mètres. Si le feuillage du reste de la forêt peut être comparé à une mer verte, le sommet du capoquier émerge tel une île à sa surface. Une île qui bénéficierait d'un climat particulier, car il y a ici plus de soleil et surtout, il y a du vent. Un vent pratiquement inexistant dans les profondeurs de la forêt. Des grands arbres qui émergent tels que ceux-ci existent dans toutes les forêts tropicales, tout autour de la Terre. Ils abritent les oiseaux les plus féroces de la jungle, l'aigle harpie en Amérique du Sud, l'aigle couronné en Afrique, et celui-ci, l'aigle des singes en Malaisie. Il patrouille à la surface du feuillage, plongeant à l'occasion pour saisir un écureuil, un singe ou un autre oiseau. Ces aigles ne produisent qu'une seule couvée qu'ils doivent alimenter pendant presque une année. En descendant des hautes branches ensoleillées du capoquier, on abandonne la brise et le soleil pour rejoindre un monde différent. Ici, l'air est chaud, chargé d'humidité, à peine troublé par une légère brise. Par-dessus, comme si elle faisait un écran aux rayons du soleil, des millions de feuilles forment une voûte en mosaïque qui capte un maximum de lumière. Beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces feuilles ont une sorte de joint à la base de leur tige qui leur permet de pivoter suivant la course du soleil. C'est un monde clos. La plupart de ses habitants y sont nés et ne le quitteront jamais. Les insectes sont omniprésents. Et il semble qu'il ne puisse y avoir de limite à la variété de leurs formes et de leurs couleurs. Certains sont la proie des autres. La plupart tirent leur subsistance des arbres, collectent les graines, boivent le nectar et la sève, mangent les feuilles. Ces terrasses vertes constituent le pâturage d'une multitude de créatures, comme celle-ci, le saïmiri, ou singe écureuil d'Amérique du Sud. Ces régions ne connaissent pas de variations saisonnières, comme il en existe plus au nord. Pas d'époque précise pour la chute ou le renouvellement des feuilles. Pas de saison particulière pour la floraison. Dans cet été perpétuel, certains arbres fleurissent tous les 10 mois, tous les 14 mois, voire parfois tous les 10 ans. Mais ce rythme est loin d'être le fait du hasard, car tous les arbres d'une même espèce fleurissent à peu près en même temps, afin de se polliniser l'un l'autre. La brise sous la voûte de feuillage étant très faible, on ne peut compter sur le vent pour assurer cette pollinisation. Celle-ci dépend des insectes ou d'autres animaux à qui les arbres fournissent un abondant festin de pollen, de nectar, de graines diverses. Les oiseaux accomplissent une bonne part de ce travail. Ils ingurgitent des fruits, ils digèrent leur chair, ils évacuent et propagent ensuite les graines.
La nuit, d'autres créatures prennent la relève. Les chauves-souris sont généralement insectivores, mais sous les tropiques, certaines espèces ne mangent pratiquement que des fruits. Les arbres sont taillés de nombreuses façons. Le ouistiti est expert dans la récupération de la sève. Les dents de sa mâchoire inférieure, qui sont dirigées vers l'avant, lui permettent d'en provoquer l'écoulement en raclant l'écorce. Bien que l'air soit pratiquement immobile, il transporte les spores microscopiques des fougères et des mousses qui se logent dans l'écorce des arbres et qui y germent. Elles fleurissent, puis leurs restes s'accumulent pour former un terreau sur lequel d'autres plantes vont pousser. Leurs racines pendantes captent l'humidité de l'air et leurs branches deviennent de larges balcons chargés d'orchidées et de broméliacées. Parmi ces dernières figurent les ananas, dont chacun abrite sa propre colonie de locataires. La rosette de leurs feuilles forme un calice, toujours rempli d'eau, un endroit très apprécié des animaux qui peuplent la voûte et qui s'y désaltèrent. Certaines grenouilles l'utilisent même comme une véritable pouponnière. Cette petite rainette, arboricole ou dendrobate, se déplace avec son tétard frétillant sur son dos humide. Elle doit maintenant lui trouver une pièce d'eau pour lui permettre de nager. Elle entre dans la rosette à reculons, et le tétard peut se détacher d'elle et plonger. Certaines espèces de dendrobates considèrent qu'à ce stade, elles ont définitivement assuré leur responsabilité parentale. Il est en effet probable que des moustiques soient venus pondre à proximité, qu'avec un peu de chance, le tétard trouvera à se nourrir de leurs larves. Mais cette grenouille-ci ne prend pas de risque. Tous les 3 ou 4 jours, elle retourne sur chaque plante où elle a abandonné un tétard et y dépose de nouveaux œufs, non fécondés, qui vont fournir au tétard leur nourriture, en attendant qu'ils soient suffisamment développés pour attraper eux-mêmes un insecte. Pour ces grenouilles, comme pour beaucoup d'autres animaux de la cime de la jungle, celles-ci constituent un microcosme suspendu à la surface de la Terre, quelques mètres carrés où elles sont nées, vivent et mourront. En descendant de cette voûte végétale, on laisse derrière soi la partie la plus peuplée de la jungle, pour pénétrer dans une zone intermédiaire, faite de lianes et de troncs dénudés. Cette couleuvre paradis s'y déplace verticalement, l'angle d'inclinaison de ses écailles ventrales lui fournissant une sorte de crémaillère. Mais elle bénéficie d'une caractéristique encore plus inattendue. En contractant ses côtes, elle transforme son corps cylindrique en un véritable ruban. Elle creuse le ventre, qui devient une sorte de parachute. Enfin, par des ondulations, elle réussit à diriger sa chute. Et dans les forêts de Bornéo, on trouve de meilleurs planeurs encore. Cet écureuil volant, ou pétori, présente une extension de la peau qui relie ses poignets et ses chevilles et forme un parachute.
Dans cette zone médiane de la forêt tropicale d'Amérique du Sud, la plupart des mammifères se déplacent d'arbre en arbre le long des lianes. Les tamarins sont capables de progresser par bond d'un mètre environ, en toute assurance. L'ouakari n'est pas aussi athlétique. Il s'évite la fatigue du saut en projetant son corps d'avant en arrière, jusqu'à ce que le balancement de l'arbuste sur lequel il se trouve le transporte sur l'arbre le plus proche. À mesure que l'on rejoint sa base, le tronc de cet arbre immense qu'est le capoquier s'épanouit en vastes contreforts et arcs-boutants qui le stabilisent, car ses racines sont peu profondes. En fait, le sol de la forêt n'est pas fertile. Cela est dû notamment à l'important filtrage de la lumière par le feuillage de la voûte et aux pluies torrentielles qui drainent la plupart des éléments nutritifs contenus dans le sol. Ainsi, comme les racines de la plupart des plantes qui poussent ici, celles du capoquier doivent trouver leur subsistance en surface, dans la couche de feuilles mortes qui recouvre en permanence le sol. Les processus qui engendrent ce terreau sont très rapides. L'humidité est élevée, la chaleur l'est aussi. Et ces deux facteurs réunis accélèrent son pourrissement. Les bactéries, les moisissures, les champignons prolifèrent, étendant leurs filaments à travers tous les détritus. Ils imprègnent entièrement le tapis de feuilles, brisent les tissus et restituent au sol les engrais qu'ils contiennent. Les racines peu profondes des arbres les captent rapidement. Les champignons eux-mêmes se développent, d'abord le pied, puis la tête, répandant leurs spores dans toute la jungle. Le sol de la forêt est jonché de débris d'arbres, de troncs abattus, de branches arrachées par les orages, de feuilles mortes tombant en pluie régulière. C'est ici que les termites trouvent leur nourriture. La prélevant particule après particule pour l'emmener et la traiter dans leur nid. Leur travail incessant, comme celui des champignons, est un maillon important de la vie de la forêt, car les termites remettent en circulation les engrais qu'ils récoltent sur le sol. Peu d'autres créatures peuvent ingurgiter des feuilles et des bois morts, mais beaucoup d'entre elles mangent les termites. Et il est un autre habitant de la forêt qui sait faire un usage varié de ce qu'il y trouve. Des êtres humains vivent ici depuis des dizaines de milliers d'années. Les Waorani de l'Équateur font partie des derniers peuples à avoir conservé le mode de vie primitif des peuples liés à la forêt tropicale. Les chasseurs communiquent en utilisant les arcs-boutants des arbres géants. Ces coups sourds sont perceptibles à des kilomètres, car dans la forêt où la vue se limite à quelques mètres, le son est le meilleur moyen de communication. Les animaux de la jungle utilisent également ce système pour affirmer leurs droits territoriaux et pour appeler leurs compagnons. Dans chaque forêt tropicale, un mammifère s'impose comme champion de chant. À Madagascar, c'est l'indri. En Amérique, le singe hurleur et dans le sud-est asiatique, le gibbon. Le siamang, qui amplifie sa voix grâce à un énorme sac situé sous sa gorge et qui lui sert de caisse de résonance, a parmi les gibbons le cri le plus puissant. Les familles s'interpellent l'une l'autre par-delà les vallées. La jungle est un biotope stable. Le vent étant absent, la température et l'humidité sont quasiment constantes.
Même la longueur des jours sous l'équateur ne varie pratiquement pas. Le site est presque inchangé depuis des millénaires. Les montagnes ont été érodées par les glaciers, les plaines se sont transformées en déserts, les lacs sont remplis de boue et sont devenus marécages. La jungle, elle, n'a pas changé depuis plusieurs millions d'années. Et cela peut expliquer l'extrême diversité des plantes et des animaux qu'on y trouve. C'est comme si cette ancienneté avait permis aux forces de la nature de produire des créatures aptes à vivre éternellement dans cet environnement immuable. La fertilité de la jungle ne dépend pas uniquement de l'ensoleillement, mais aussi de la pluie. Et nulle part ailleurs, celle-ci ne tombe aussi abondamment que sous les tropiques. L'orage est précédé par un vent violent qui, pendant quelques minutes, fouette les grands arbres et secoue la voûte de la jungle. D'énormes gouttes commencent alors à tomber, lentement d'abord, puis à torrents. Un véritable déluge. À certains endroits, le sol est envahi par des flots tumultueux qui s'écoulent entre les arbres vers les rivières. L'orage a donné à boire aux assoiffés. Il a fait tomber des fruits qui vont nourrir les affamés et qui permettront à d'autres de faire des provisions. L'orage a aussi apporté la mort aux plus âgés. Un capoquier géant est tombé. Il n'était peut-être plus très stable dès avant l'orage, et sans doute a-t-il été déséquilibré par la chute d'une de ses énormes branches. Le poids de l'eau, supporté par tant de feuillage, était plus qu'il ne pouvait supporter. La mort du vieil arbre donne le départ à une course dont les concurrents sont les jeunes pousses qui se pressent sous les débris des branches. Elles étaient destinées à végéter par défaut de lumière. Maintenant, elles pourront s'épanouir. Apparaîtront d'abord des arbustes qui disperseront ensuite leurs graines vers d'autres clairières. Un an après, les jeunes arbres les dépasseront en hauteur. À mesure qu'ils s'élèveront, certains ralentiront leur course. Seuls un ou deux accompliront la fin du trajet et atteindront le soleil. Ils étendront leurs branches une nouvelle fois. La jungle s'assombrira et la voûte verte sera reconstituée.